le pro de l'info. Et ce générique indique que nous retrouvons Pascal Pro. Pascal, Trump a donc gagné, ça vous étonne ? Écoutez, je sais que c'est mal, mais permettez-moi d'esquisser un sourire ce matin. Voilà des mois que j'entends les experts, les américanologues, les hommes politiques français jusqu'à François Hollande expliquer que Trump sera battu, qu'il n'a pas les idées qu'il faut, qu'il parle comme un charretier, qu'il est vulgaire, outrancier, misogyne, raciste, etc. Et non seulement il gagne, mais il gagne assez nettement. Depuis des mois, une petite voix me disait que Trump gagnerait précisément parce que ses élites se trompent toujours et tout le temps depuis des années, qu'on fait le Brexit. Ces gens disent les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient, quitte à tordre l'évidence ou nier la réalité. J'entends ce matin, l'élection de Trump est une surprise. Pardon, mais il n'y a pas de surprise dans une élection. Ce n'est pas un match de baseball, tout était là. Il y avait juste à se baisser. Encore faut-il regarder avec de bons yeux. L'autoritarisme identitaire à Moscou, à Washington ou demain à Paris est une clé pour comprendre les scrutins des années 2010. Pascal Pro.